On voyait un moment donné sa main dans le fond de l'eau. Il était là. Puis toi, t'as voulu y aller, tu sais, mais c'est ça, il y avait du remous. Hein? Le canot était plaqué au fond de la rivière, pris dans les branches. C'était impossible de plonger. Même pour moi, une plongeuse olympique. Sylvie Bernier, bonjour. C'est un plaisir de pouvoir s'entretenir avec vous. À titre de marraine du programme Nager pour survivre de la Société nationale de la prévention de la noyade, et aussi auteur, on le sait, de ce livre, Le jour où je n'ai pas pu plonger, l'histoire de Raphaël, votre neveu. Jusqu'à quel point c'est pour Raphaël que vous faites ce que vous faites cette année pour cet événement? C'est vraiment pour Raphaël. Ouais. Et c'est vraiment pour toute la famille aussi. Ça a été long, ça a pris 17 ans avant qu'on décide de revenir sur la place publique, de revenir où on a laissé il y a 17 ans, à la suite du dépôt de l'enquête du coroner. On avait mentionné lors d'un point de presse, un jour, on aimerait sensibiliser la population aux risques qu'il peut y avoir, aux risques d'activités nautiques, aquatiques. Jean-François Dubé m'a montré comment les choses doivent être faites. Et même en faisant tout selon les règles de l'art, les incidents peuvent arriver. Ma posture d'aujourd'hui, qui est de faire la promotion d'un mode de vie physiquement actif, donc il faut que je sois capable de doser entre je veux que les gens bougent, je veux que les gens continuent à avoir du plaisir sur le bord de l'eau dans une embarcation, mais avec cette conscience qu'il y a des risques à l'eau. Et qu'on soit sur le bord d'une piscine, une fête familiale, il fait 30 degrés, on est toute la famille, mais il n'y a personne qui est attitré à surveiller, par exemple, un peu comme un conducteur désigné. Bien, la même chose, sauveteur désigné. Donc aujourd'hui, on revient, mais on veut vraiment sensibiliser la population à faire attention. Mais c'est ça qui est incroyable, parce qu'on le fait année après année depuis des décennies. Oui. On va prendre le temps de regarder quelques chiffres sur un tableau. Simplement par rapport à l'an dernier, 22 juillet l'an dernier, 34 noyades, cette année, 37. Oui, ça a baissé au fil des ans, mais ce besoin, il est encore là. Toujours. Encore et toujours. Qu'est-ce que ça va prendre pour que cette prise de conscience-là soit plus... s'imprègne davantage? Bien, je prends souvent l'exemple de la ceinture de sécurité dans la voiture. Hein. Ça fait 40 ans là, qu'il y a l'obligation d'attacher sa ceinture de sécurité. Et au départ, on y croyait plus ou moins. Il y a même des gens qui disaient « Non, j'ai pas le goût d'attacher ma ceinture. » Donc, on transforme une norme sociale de porter sa veste de flottaison. Hein, des fois, c'est pas cool. On est en plein été, on est sur un bateau de plaisance. On n'a pas le goût de porter notre veste de flottaison. Et pourtant, on l'a vu cette année encore. Ça peut sauver la vie. 80 % du temps, lorsqu'il y a un accident ou une noyade, bien, les gens qui étaient alentour ont dit qu'ils ne pensaient pas passer par-dessus bord. Mais non, c'est un accident. Et la personne ne portait pas sa veste de flottaison. Si elle l'avait portée, probablement que ça serait terminé par une anecdote en fin de journée. Mais malheureusement, on ne portait pas notre veste de flottaison. C'est vraiment un changement de culture, j'ai l'impression, qu'il faut opérer, d'approche, notre relation à l'eau, à la sécurité nautique et aquatique. Encore quelques chiffres qui en disent long sur la situation cette année, qui nous disent à quel point les scénarios peuvent être variés, Mme Bernier. Les noyades de cette année, dans le bilan de cette année, sur des plans d'eau naturels, 69 % les lacs, les rivières, les fleuves, les ruisseaux, 10 % les piscines résidentielles. Et puis là, bien, ça varie pour le reste, mais on voit ici le gros des noyades, où ça se produit. Milieux naturels. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans lacs, ce rivières, fleuves. Si vous partez seul, qu'est-ce qu'on fait? Assurons-nous de bien connaître notre environnement. Donc, chaque rivière a ses particularités. Est-elle sinueuse? Le débit change très rapidement. S'il y a une forte pluie deux heures avant, le débit change. Ouais. La température de l'eau. Vous savez qu'une rivière, l'eau peut être à 4-5 degrés, malgré le fait qu'il fait 30 degrés puis qu'on est en plein mois de juillet. 4-5 degrés, si on chavire de façon inattendue et qu'on est en culotte courte et qu'on n'a pas de vêtements isothermiques, quelques secondes, on peut être totalement désorienté et on peut rapidement être en hypothermie. Donc, c'est de prendre le temps de s'informer, de ne pas aller se louer un canot, un kayak et de s'aventurer sur une rivière que l'on ne connaît pas. Et les piscines résidentielles? Piscine résidentielle, depuis 2010, il y a beaucoup de réglementations. Je dirais que ce qui reste aujourd'hui, c'est tout l'aspect surveillance, sauveteur désigné. On prend pour acquis que tout le monde surveille, mais
personne surveille. Donc, chaque seconde est importante. Une noyade, oui. C'est sournois et c'est silencieux. Oui. L'enfant ne se débattra pas et ne le dira pas. Donc, il coule, c'est silencieux et ça ne prend que quelques secondes. Donc, sauveteur désigné. Et si une personne qui comprend bien, c'est bien vous, n'est-ce oui. pas? Oui, bien tout à fait. Et ça a été long parce que je dis toujours que derrière toutes les statistiques et les chiffres que vous avez mentionnés, oui. chaque décès est un drame, pas pour une semaine, deux semaines, est un drame pour la vie. Et chaque noyade est évitable. Elles sont toutes évitables, la majorité d'entre elles. Donc, ouais. il faut les prévenir. Et merci de prendre le temps d'en parler, parce que moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde ait du plaisir sur l'eau, dans l'eau, mais en toute sécurité. Merci infiniment, Sylviane. Merci, Alexis. À la prochaine.